Venez, 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 venez. 1 000 francs chacun, 1 000 francs chacun. On part tout de suite, on part maintenant. Entrez, entrez. Monsieur, vous partez? À vous voir là. Venez, 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 venez. Venez. Entrez, 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 entrez. Venez, 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 venez. Venez, venez. Monsieur, la portière est bloquée. Il y a quelqu'un là-bas. Il y a quelqu'un là-bas. Il y a déjà quelqu'un là-bas. Venez, venez, venez. On part déjà, on part déjà. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Qui part, qui part? On part déjà, on part déjà. Venez, venez, oui, venez. Oui, exactement. C'est... Madame. Dépêchez-vous, on part déjà. Venez, 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 venez. Je passe un coup de fil important. Arrêtez de me perturber. Ah, regardez les problèmes. Regardez-moi les problèmes. Madame, s'il vous plaît, descendez. Descendez. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit que vous descendez de là. Que je descende, pourquoi? Tu fais semblant de ne pas comprendre. Pourquoi je dois descendre? Descends d'ici. Descends. Descends. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu viens de me mettre dehors. Fous le compte ici. Hein? Tu es folle? Quelque chose ne va pas chez toi. Quelque chose ne va pas chez toi. C'est comme ça que tu fais, n'est-ce pas? Je te parle. Est-ce que tu connais qui? Tu es malade? Tu es folle? Hein? Tu connais qui je suis? Je suis Titi Eko. Je n'ai peur de personne. Même si tu as deux visages, je n'ai pas peur de toi. Tu comprends ça? Tu es venue t'asseoir là où j'ai gardé mon sac. Je te dis de descendre. Et tu oses me faire la gueule? C'est toi qui n'es pas normal. Tu es cinglée, tu es malade. Hein? Tu n'as aucun de sens en moi. Je suis folle. Je suis désolée, mais je t'ai dit qu'il y avait quelqu'un là-bas. Tu l'entends? Tu l'entends? Est-ce que son nom a été écrit sur le siège? Son nom a été écrit sur le siège? Il paraît que tu ne me connais tu pas. La prochaine fois que tu vas le refaire, je vais te refaire le portrait. C'est quoi ces bêtises? Tu continues de parler. Lève-toi. J'ai dit, lève-toi. Tu parles encore. Tu continues? Je parle, c'est ça? Hein? Je parle, tu parles. Allô? Je te demande que je parle, tu parles? Tu es folle? Tu as jeté qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Je t'ai dit qu'est-ce qu'il y avait quelqu'un là-bas. Mais tu n'as pas compris. Maintenant, vous voulez me parler. S'il te plaît, Cantine, tu continues de parler. Hein? Pourquoi? Lâche-moi. Lâche-moi, Cantine. Pourquoi est-ce que tu te prends? Si j'entends vos voix, je vais encore recommencer. Qu'est-ce qui vous prend? Je vais le faire la peau, hein? Allez, tournez-vous! Mon roi, je vais tuer ces... ça. Papa! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ces fous ne s'occupent pas de leurs affaires dans ce palais. Ils parlent de moi, ces idiots! Arrête ça! Regarde-moi! Arrête ça! Je ne vais pas m'arrêter. Je vais m'occuper d'eux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe ici? Demande à ton fils. Qu'est-ce qu'il y a? Imagine ces idiots ici. Oui. Ils ne s'occupent pas de leurs affaires dans ce palais. Je sais. Ils parlent de moi. Je sais. Je les ai même entendus parler. Je Est-ce les que ai c'est entendus. Pour ça que tu veux les tuer? Et alors, ne sont-ils pas des esclaves? Ne sont-ils pas des servants? S'ils s'occupaient de leurs affaires, ceci n'allait pas arriver. Qu'est-ce qu'ils ont dit qui vous poussez à les tuer? Tu n'es même pas capable de protéger ton fils, ton sang. Ce n'est pas fini. Je reviendrai pour vous tous. Occupe-toi d'eux. Si tu as l'occasion de t'occuper d'eux, occupe-toi d'eux sérieusement. J'aurais aimé que tu sois à leur place pour savoir ce que ça fait d'être fouetté. Si j'étais là, j'allais encore plus les fouetter. Parce que c'est ce qu'ils méritent. Levez-vous, vous tous. Qu'ils s'occupent de leurs affaires. Levez-vous. N'importe quoi. Que quelqu'un commence à parler maintenant. Dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe! Ah! Voilà ça! Hmm? C'est bon d'être un bon criminel! Si tu veux voler, vole bien! Si tu veux dérober, dérobe bien! Si tu veux devenir un criminel, criminel bien! Ça sert à quoi d'être un criminel de pacotille? Hmm? Voler des futilités? Tous ces grands hommes! Qui ne font que se vanter que nous avons de l'argent, on va s'amuser, on va faire ça, on va aller à tel endroit, on va faire ceci, on va faire cela, on va manger du poulet. Ils n'en profitent pas autant que moi dans ce village. Ils ne profitent pas autant qu'Otito dans ce village. Hein? Regardez ça. Quand ils partent dans les bars, les gens se vantent qu'on boit des bouteilles et tout le reste. Est-ce qu'ils s'amusent autant que moi? Hein? Je vole du poulet dans ce village et je m'amuse autant que je veux. Je vole de la boisson, tout ce que je vois, je vole. Et je profite de tout ça, tout seul.
Hein? Si je finis ça, je vais encore voler et je vais m'amuser encore plus. Voilà ça. Pas de retour en arrière. Hey! Ogini! Oh, Tito! Mais qu'est-ce que tu fais? T'es aveugle? Hein? T'es aveugle? Tu ne vois pas ce que je fais là? Écoute, je vais te dire un truc. Est-ce que tu essayes de me faire remarquer ta présence pour que je t'invite? Jamais. Moi? Mensonge! Te rejoindre, oh Tito. Jamais. Je ne vais pas te rejoindre. Alors, passe. Si tu ne veux pas me rejoindre, passe. T'es pas la seule à m'avoir vue ici. Des gens sont passés et m'ont vue. Pourquoi t'es-tu arrêtée? Parce que t'es une commère. Tu cherches des ennuis. Qui peut savoir? Le poulet de qui tu viens d'envoyer à la tombe aussitôt? Hein? 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 Qu'est-ce que tu viens de dire? Oui. Oh Tito, tu m'as très bien entendu. J'ai dit, qui connaît le poulet de qui tu as assassiné avec une boisson volée? On ne sait même pas de qui pour venir t'amuser ici comme ça. Oh Tito, hey! Est-ce que en aucun cas, en aucune chance, hein? Tu me traiterais de voleur? Hein? Qui es-tu? Tu es un voleur. Onyori. Et voici que ton tout puissant prince n'est pas ici avec toi. Oh Tito, qu'est-ce qui se passe? Tu planifies quelque chose, oh. Tu sais quoi? Dégage. Que je parte. Fous le camp. Je ne pars pas, je reste. Bouge. Badabroum. T'es folle. Mais, tu es malade. Mais oh Tito, qu'est-ce qu'il y a? Espèce de voleur. Tu traites qui de voleur? C'est moi que tu traites de voleur? Oui, tu m'as très bien entendu. Tu m'as entendu. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Je t'ai demandé de laisser les servantes et les gardiens du palais tranquilles. Parce qu'ils ne s'occupent pas de leurs affaires. Je sais, alors que s'est-il passé cette fois? Imagine que cette idiote de Cornelia dise aux autres filles que moi, le prince Afam, je voulais sortir avec elle. Quoi? Et les gens que j'appelle mes gardes n'ont pas pu me le dire. Quoi? Pourquoi parles-tu comme ça? Je veux dire, comment as-tu pu te rabaisser et demander à une servante de sortir avec toi? Ne sais-tu pas que tu es le prince? Ah! Afam, tu es le prince de ce royaume. Tu devrais marcher avec tes épaules très hautes. Maman, maman! Tu devrais marcher avec dignité et honneur. Ne te mélange pas avec les paysans. Mais qu'est-ce que tu t'infliges? Détends-toi, maman. Maman, tu sais que certaines de ces filles sont... Afam, nous devons parler. Et toi aussi, nous devons vraiment parler. Père, non! Pas après que tu m'insultais devant ces paysans. Tu peux te parler à toi-même, pas moi. Reviens ici. Reviens ici. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille pour une fois. Tu ne peux pas protéger ton fils, ta chair et ton sang. Comment peux-tu continuer de lui mettre la honte comme ça devant tout le monde? Est-ce tout ce que tu as à dire? Oui, pourquoi tu le détestes autant? Pourquoi? Je suis surpris par toi. C'est tout ce que tu as à dire? Eh bien, sache juste qu'à un moment dans le futur, peu importe ce que tu sèmes, tu vas sans doute le récolter. Lâche mon habit. Tape-moi aujourd'hui. Tape-moi. Je vais te boxer les yeux. Lâche mes habits maintenant. Donne-moi un coup. Qu'est-ce que tu attends? Donne-moi un coup. Hey, hey, Otito. Hey. Tue-moi. Tue-moi. Hey, Otito. Otito. Tue-moi. Otito. Hey. Tue-moi. Otito. Otito. Tue-moi. Calme-toi. Tue-moi. Lâche mes habits. Otito. Attends! Tu vas devoir me tuer! Oh, Tito, attends! Qu'est-ce que c'est? Oui, je vais te tuer! Tranquille! Laisse-moi tranquille! Attends! Tue-moi! Lâche mes habits! Tue-moi, oh, Tito! C'est ton problème! Tue-moi! Pourquoi tu vas tuer avec une... Je vais te boxer les yeux! Tue-moi! Dis-lui de me lâcher tout de suite! Attends! Tape-moi! Attends, s'il te plaît! Laisse mes vêtements! Je ne vais pas le laisser! Laisse mes vêtements! Je ne vais pas le laisser! Tape-moi! Je ne vais pas te laisser! Tue-moi! Calme-toi! Je vais mourir! Je vais te frapper, oh! Calme-toi! Je vais te boxer les yeux! Calme-toi!
c'est ça. Si tu te fâches maintenant, il va te taper. S'il se fâche maintenant, il va te taper. Arrête que j'ai volé ton palais. Pourquoi tu me traites de voleur? Hey, est-ce que tu n'es pas un voleur? Attends. Qui es-tu donc? Voleur. Pourquoi tu l'appelles? Grand voleur. Tu l'appelles voleur? Stop, oui. C'est pas normal, c'est un homme. Arrête ça. Arrête. Non, je ne vais pas le laisser. Attends, attends. Il va me tuer aujourd'hui. Allez, arrête, arrête. Si tu n'arrêtes pas, il va continuer à te battre. Arrête. Oh, Tito, tape-moi. Tape-moi. Oh, Tito, tape-moi. Continue de bagarrer. Bagarre. Tue-moi. Oh, bagarre. Tito, tape-moi. Tue-moi. Tu veux mourir? Vas-y, bagarre. Oui. Oh, Tito, tue-moi. Tu veux mourir? Hein? Approche-toi. Je vais te briser la tête, n'importe quoi. Voleur. Oui, moi? Tu es un voleur, tu es un voleur. Si je vois quelqu'un chercher sa poule, je l'amènerai dans ta maison. Hein? Un criminel comme toi. Non, Tito. Tu es un idiot, tu n'es qu'un voleur. Tu veux que je te brise la tête? Mais viens me briser la tête, viens me taper. Tu pars maintenant, quoi, ça te va? Tu n'as même pas honte, assassin, voleur, un idiot. Viens te battre, tu pars tu te encore? Te bats avec une femme, viens me taper. Ah. Oh. Je vais aller dire à ma mère. Aïe, aïe. C'est bon, on va bien. Désolé. Ne fais pas attention à elle. Les femmes avec leur bouche, ça n'est de trop. Tu peux imaginer. Ne prête pas attention, c'est une femme. Ne prête pas attention, laisse. Herbo, Tito, tu prends du plaisir. Je t'ai dit plusieurs fois de rejoindre ce club du village. Club de vol du village ou peu importe comment on l'appelle. Hein? Mais tu dois le rejoindre. Regarde comment je me régale maintenant. J'étais dans les réflexions. Mais maintenant je suis prêt. Je suis prêt. Hein? En passant. C'est bon. Est-ce que je peux manger? Non, prends. Hey, oh Tito, tu es un bon gars. Tu es un bon gars. Ah, prends un poulet. Tu es vraiment gentil. Partout où tu verras une poule, hein? Un poulet innocent, en train de marcher tout seul sans berger, sans quelqu'un qui veille sur lui, appelle-nous. Appelle le prince et moi. On va venir et quand on va la découper, tu vas manger une cuisse et nous, on mangera le reste. Sérieux? Oui, c'est un début. Quand je verrai ça, j'irai comme ça. Doucement. Ouais. Dès que tu vois une poule, appelle-moi. Donne-moi ça. Donne-moi ça. C'est quoi ton problème? Hein? Donne-moi cette sauce. Donne-la-moi. Tu es folle? Tu as vu ce que tu as fait? Donne-moi ça maintenant. C'est quoi ton problème? Donne-moi ça. Hé, arrêtez ça. Donne-moi ça suffit. Arrêtez ça. Qu'est-ce qu'il y a? Êtes-vous les seuls gens de ce village? Cherchez la bagarre. Maintenant, dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Papa, calme-toi. Si tu avais fourni assez de nourriture dans cette maison, est-ce qu'on allait se battre pour ceci? Je vais la fermer! Tiens. Sais-tu à quel point je travaille dur pour fournir cette nourriture pour laquelle vous vous battez? Hein? Le souci, c'est que cette nourriture est très petite. Tu dois la laisser pour moi. N'es-tu pas ma grande sœur? Oh, c'est à cause de cette nourriture que tu sais que je suis ta grande sœur. Donne-moi cette sauce. Hey! Regarde ce que tu as fait. Hey! Ok, je vois. Maintenant, tous les deux, coupez-vous et mangez cette nourriture sous le champ. Regardez-vous. Non, mais regardez-vous, vos agents sont en mariage. En train de faire des enfants à leur mari. Et vous êtes ici en train de faire du n'importe quoi. Maintenant, mangez cette nourriture que vous avez versée. Mangez-la. Viens ici. Papa, viens ici. Mange cette nourriture. Hache-moi. Viens ici. Mais c'est toi qui l'as ramassée. Ramasse-la. Mange. Je vais te lancer ça. Mange-la. Ramasse ça. Viens ici. Je vais te lancer ce truc. Ramasse ça maintenant. C'est pas toi qui l'as renversé. Mange-la. Reviens papa, ici. Papa. Commencez tout à parler. Qu'est-ce que vous racontez tout sur mon fils? Hein? Votre Altesse, on ne racontait pas les ragots. Le prince a essayé de m'amener de force dans sa chambre et elle a commencé à raconter ça à tout le monde. Toi, tu es allé scandaliser mon fils partout. C'est du commérage. Qu'est-ce que tu crois que c'est que le commérage? Hein? Je n'ai pas fait de commérage, Votre Altesse. J'étais juste jalouse. Parce qu'elle m'a dit qu'elle n'aimait pas le prince. Plus tard, je les ai vus se caresser et s'embrasser. Quoi? Comment oses-tu dire ça de mon fils? Ou penser une chose pareille? Comment oses-tu? Ce n'est pas une accusation, Votre Altesse. Alors c'est quoi? Hein? D'après ce que je viens d'observer ici, vous êtes toutes occupées à séduire mon fils. Et quand il essaie de toucher l'une d'entre vous, vous allez commencer à dire tout genre de choses. Il a fait ci, il a fait ça. Alors je vais toutes vous punir sévèrement. Je vais vous punir, vous toutes à genoux. À genoux!
Vous devez rester à genoux ici jusqu'à ce que je sorte. Votre Altesse, je n'ai rien fait avec le prince. Oh, la ferme! Ferme-la! Est-ce que ton opinion compte ici? Idiote! Je te connais, toi. Oh, Tito. Ada, ma puce. Ada. Oh, Tito. C'est bien toi? Ada, ma puce. Je n'arrive pas à y croire. Ada, mon bébé. Oh, Tito, ça fait un bail. C'est bien toi? Ça fait très longtemps. Hey. Donc, tu te rappelles encore de ce village? Oh, Tito, comment tu peux dire ça? Ce n'est pas mon village. Hey. Est-ce que je dois oublier mon village? Ada, Ada, hein? Mm-hmm. Chaque jour, chaque fois, tu prends du poids. Toute ronde. On se dit bien, quoi? Tu as recommencé. Hey, écoute, ce que je veux dire, c'est que chaque jour, hein, jour après jour, tu prends du poids. Tu sais que t'es la seule qui fond mon cœur dans ce village. Oui? Oh, Tito, laisse-moi haut. Regarde, je suis très fatiguée. J'ai déjà fait 2 kilomètres à pied parce que je n'ai pas vu de moto. Donc ton bavardage là, Ikea Dirom, je n'ai pas la force pour ça. T'en fais pas, hein? Tu marches depuis. Mais maintenant que tu m'as vu, ton moment de marcher est terminé. Regarde ce que je vais faire maintenant. Ton sac, donne-le-moi. Donne-moi ton sac. Hein? T'es pas né pour souffrir. Hein? Oh, Tito. Je vais souffrir à ta place. Ah. Merci, oh. Allons-y, allons-y, allons-y. Ça t'arrive parfois d'être gentil. Je suis gentil. Ah, merci. J'étais très fatiguée. Le sac là ne faisait que peser. Vraiment, merci. Mais c'est quoi tout ça? Pourquoi est-ce que ce garçon me fait ça? Quand est-ce qu'il va changer? Ha! Seigneur! Qu'est-ce que je vais faire? Lui chercher une femme? Il ne va pas l'accepter. Laisse toutes ses filles tranquilles. Non, il ne va pas non plus l'accepter. Seigneur, qu'est-ce que je me suis infligée? Qui est-ce? Votre Altesse, le roi aimerait vous voir au salon. Dis-lui que j'arrive d'ici peu. Excusez-moi. Hé, hey, Seigneur! Les dieux de nos terres, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci? Mes salutations, votre Altesse. Bonjour, votre Altesse. Mes salutations, Altesse. Oui. S'il te plaît, est-ce que tu peux dire à la reine ce que tu viens de me dire? Qu'est-ce qu'il y a? Votre Altesse, ma fille que voici est enceinte du prince. Quoi? Est-ce que tu es devenue folle? Que veux-tu dire par là? Ma reine, est-ce que tu peux baisser d'un ton? Ne lui pose pas une telle question. Votre Altesse, ces deux gens sont des croqueurs d'or. Comment peux-tu accuser mon fils d'un acte aussi horrible? Votre Altesse, ce ne sont pas des accusations. Demandez à ma fille, elle vous dira ce qui s'est passé. Femme, où est ton fils? Où est le prince qui vient ici et qui vient se défendre? Ichi. Prends ta fille et allez-vous-en maintenant. Est-ce que tu vas arrêter ça? Je suis vraiment très en colère. Arrête ça! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Votre Majesté, ces deux gens mentent.
Je peux le voir sur leur visage, ils sont en train de mentir. Votre Altesse, je ne suis pas en train de mentir. Le prince m'a violée le mois dernier. Mais je n'ai pas voulu le dire parce que je ne voulais pas causer d'ennui. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu mes règles. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu, ma reine? Elle n'a pas vu ses règles. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Est-ce que tu as entendu ça? Défenseuse de l'univers. Oju, comment tu vas? À te voir regarder comme ça, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oju, je cherche notre poule. Ma mère m'a demandé d'aller la vendre au marché aujourd'hui, mais elle s'est détachée et elle s'est enfuie. Est-ce que tu as dit poule? Oui. Ah, tu n'es plus obligée de la chercher. Rends-toi juste chez Otito. Va lui demander. De quoi est-ce que tu parles? Je ne comprends pas. Oh, Akashi. Donc tu ne sais pas que Otito est un voleur? Un voleur? J'ai vu Otito en train de manger la cuisse d'un poulet dans un coin. Je lui ai même dit que si je vois n'importe qui ou quelqu'un en train de chercher son poulet, je vais juste indiquer directement la personne chez lui. Non, ce n'est pas possible. Otito ne peut pas voler. De plus, il n'est pas venu chez nous, ça fait maintenant un an. Oh, Akati, tu ne le connais pas bien. Tu ne le connais pas. Si tu veux, va juste chez lui, tu verras. S'il te plaît, s'il te plaît. On n'accuse pas les gens sans avoir les preuves. Ah, je n'ai pas le temps pour ça. Je rentre à la Fais maison. Fais juste ce que je t'ai dit, oh. Va juste chez lui maintenant, avant qu'il ne termine. Parce que même l'os, il va terminer. Je t'ai prévenu. Hey, je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Je le savais. Hey. Je le savais. Ah. Man. Hein? Otito. Hein? Manum. Ade, Ada. Et comment va ton ami, le prince? Le prince? Le prince. Ok. Il est là. Il est là. Il doit être en train de dormir chez lui. Est-ce qu'il a un boulot? Il n'a pas de boulot. Il doit être soit en train de dormir ou soit en train de faire du mal quelque part. Je t'en prie. Peut-être plus tard dans la soirée, j'irai le voir quand j'aurai fini de me reposer. Hey, oui. Parce que si Mais je pars maintenant... J'aimerais bien le voir au... Mais c'est juste que je ne vais pas mettre long. Tu aimerais le voir? T'as pas besoin d'aimer le voir. Pourquoi veux-tu voir le prince? Hein? T'as pas besoin de le voir. Écoute, si tu m'as vu, tu as vu le prince. Tous les deux, nous sommes ensemble. Nous sommes comme les deux doigts de la main. Mm-hmm. Donc tu ne dois pas trop te déranger. Quiconque a vu le prince m'a vu. Nous sommes très proches. Mm-hmm. Adé, ah. Oui, écoute, tu vois, cette ville, elle te fait rayonner. Regarde comment tu rayonnes mm-hmm. partout. Et... Otito, je n'ai pas le temps pour ce que tu racontes. Hey, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Plus tard, hein, nous allons sortir pour discuter, causer, parler à propos de nous. Hein, tu connais. Otito. Hein? Hey, Adad, je suis tellement content que tu sois rentré. Même si tu ne m'as rien gardé, mais il n'y a pas de souci. Grande sœur. Ah, ah. Grande sœur, tu es de retour. Je vais bien, grande sœur. Waouh, tu es tellement belle. Merci. Akati, où étais-tu? Et où est maman? Nous allons en parler plus tard, ne t'inquiète pas. Ah, ah, Akati. Regarde ma grande sœur. Tu es vraiment très belle, grande sœur. Merci. Merci. En fait, t'en fais pas, hein. On se verra plus tard. Quand on se verra, hey, je vais te dire plusieurs choses. Mm-mm. Tu comprendras. Manu. Hein? Donc tu as à me dire. J'ai à te dire. Laisse que je rentre maintenant, que je me repose. Une fois que tu es libre, appelle-moi.
J'ai ton numéro, non? Voilà. Je vais t'appeler. S'il te plaît. Peut-être que ce jour, nous irons au bar du Carrefour pour nous amuser un peu. Ouais. Ne t'en fais pas, je veux parler à ma sœur. Allez, au revoir. On se voit plus tard. Manou. Hey. Tu m'as manqué. Oui. Toi. Mais c'est bon, non? Ah, cette ville nous a éloignés. T'en fais pas, on va papoter. Akachi. Ne fais pas attention à elle. Grande sœur. Oui, à plus tard. Je vais t'appeler. Grande sœur, c'est même quoi? Moi, je te parle et toi, tu lui donnes toute ton attention. Pourquoi as-tu laissé la maison ouverte? Laisse-moi. Je viens à peine d'arriver, c'est comme ça que tu m'accueilles. Mais c'est à cause de toi. Regarde-toi, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Et où est maman? Où est-ce qu'elle est allée? Grande sœur, ne t'inquiète pas, nous allons en parler plus tard. Laisse-moi d'abord t'admirer. Regarde ta perruque. Grande sœur, tu vas me la donner, non? Tout ce que j'ai, tu veux prendre. Tu vas me donner, Seigneur. Ne suis-je pas ta sœur? Si je ne la prends pas, qui va la prendre? Regarde-toi. Ma sublime sœur, viens là. Hey! Hein? Je suis dépassé. Hey! Adam, ma puce. Donc cette fille est belle comme ça? Hein? Donc elle se soucie de moi? Imaginez, elle m'a embrassé. Hey! J'en reviens pas. Hey, regarde comment il est. Je ne parlerai pas d'elle au prince. Je ne ferai pas que le prince soit au courant d'elle. Hein? Parce que je le connais. Si je lui parle de cette fille, il va la prendre pour lui. Il va la convoiter. Non. C'est la mienne. Aïe. Oh. Oui. Je pense que je vais lui montrer de l'amour. Si je lui montre de l'amour, je vais tomber amoureux d'elle et elle va tomber amoureuse de moi. Tout marchera très bien. Hey. Adam, ma puce. Akachi, est-ce que tu sais ce que tu dis? Tu es sérieuse? Es-tu sûre de ce que tu dis? Grande sœur, je suis sûre, je suis sérieuse. Est-ce que tu m'as vu le saluer? Je ne l'ai pas fait. Akachi, Otito n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Ça doit être le prince qui l'influence. Ça doit être le prince. Grande sœur, je ne sais pas ce qui le pousse à faire ce qu'il fait. Mais supposons que maman était ici. Elle allait le mettre dehors. Ce n'est pas bien, vous n'avez pas à le traiter comme ça. Il est mon ami. Tu sais que nous sommes amis depuis l'enfance, non? Hein? Attends, est-ce que vous avez retrouvé la poule? On ne l'a pas retrouvée. Maman, je ne sais pas, elle n'est pas encore entrée. Peut-être la retrouver, attendant qu'elle rentre. Ne t'inquiète pas, hein? Je vais lui parler. Il est mon ami, je vais lui parler. Ne t'inquiète pas pour ça. Grande sœur, ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Qui t'a dit que lui parler lui fera arrêter ses mauvaises manières? Otito est mon ami, je peux lui parler. Ne t'en fais pas pour ça. D'accord, je ne suis pas contre le fait que tu lui parles. Je ne suis pas contre ça, juste parle-lui. Otito n'est pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi vous croyez que... Il n'est pas comme ça. Il est mon ami. Ne jure pour personne. Il est mon ami. Il n'est pas comme ça. C'est ça ton problème. Tu fais trop confiance. Tu fais trop confiance. Ok, très Otito bien. Otito est mon ami très et bien. Il ne peut pas faire ce très genre bien. De choses. Pas de souci, ça va. Ces servantes sont stupides. Elles sont très stupides. Hein? Pourquoi elles se comportent comme des animaux? Est-ce qu'elles savent ce que ça coûte pour un prince de se coucher sur elles? On appelle ça exposition royale, toucher royal. Hein? Ne t'en fais pas. Je vais tous les réunir comme une véritable famille dans ce village. Fais-le. Avant que je ne me marie, elles seront toutes dans une position familiale. Très bien. Fais-moi confiance. Je te soutiens là-dessus. Finis-les. Qui sont-elles? Écoute, si j'étais à ta place... On n'en parlerait plus. Aïe, ce que j'allais leur faire, c'est l'une après l'autre un recensement. Celle-ci, je massacre. Celle-là, et l'autre, encore. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, mec. Je dois me détendre. Pourquoi tout ça? Hein? Je n'aime pas toutes ces parures. Je dois être libre, du genre, sans toutes ces parures. Hein? Mon père sera très en colère si je ne m'habille pas comme ça. Ça sera comme lui donner la honte. C'est dommage. Mais, eh oh. Mais cette chose est mieux sur vous, mon prince. Hein? Hein? C'est bien, comme ça t'es bien habillé. Quand ces filles te verront, elles te respecteront dans ce village. Tu sais que si tu ne portes pas ça, elles ne vont pas te respecter. Oublie ça, frérot. Tu dois oublier ça, regarde. Tu dois nous apporter un truc pour qu'on se régale, mec. C'est déjà ennuyant aussi, apporte ton truc. Ok? T'en fais pas. Il y a une poule que j'ai vue là-bas. Je vais aller vérifier. Quand je l'aurai attrapée, j'irai chez moi
Comme d'habitude, je vais la briser. Hein? Et puis je prendrai du vin pour faire descendre. C'est super. Ça te va? Super. Bon, Igoé, mets-toi au travail. Igoé, je reviens. Votre Altesse, il n'est pas dans sa chambre. Eh bien, s'il te plaît, tu seras obligé de rentrer chez toi. Quand tu vas rentrer, je vais avoir une réunion avec lui, et puis je vais revenir à toi. S'il te plaît. Ma fille ne va pas du tout rester comme ça, Votre Altesse. On doit faire quelque chose. Bien sûr que je vais faire quelque chose à propos de ça. Je vais revenir à toi. Fais-moi confiance. Ma fille, allons-y. Allons-y. Votre Altesse, si je parle maintenant, tu vas dire que je ne te respecte pas. Comment as-tu pu gérer ça à la légère? Dis-lui de rentrer, l'enlever, et ça résout le problème. Comment oses-tu dire un truc pareil? Comment peux-tu parler d'avortement? Ne sais-tu pas que nous sommes de la royauté? Je suis un roi. Et je ne ferai pas une telle chose. Mets ça dans ta tête. Alors que veux-tu qu'on fasse par rapport à ça? Quand ton fils sera de retour, on verra. Il doit épouser cette fille. Impossible! Cela n'arrivera pas. Ok, on verra. Mon prince. Hey. Mon Dieu. Où est la poule? Ah, mon prince, j'ai échappé à la mort. C'est la vérité que je te dis. J'ai vu la mort. Écoute, je suis allé là-bas, j'ai vu la poule. Quand j'ai essayé d'attraper la poule, je vois le propriétaire. Vroom! J'ai démarré. Je me suis enfui. Sinon, on allait m'attraper. Tu es un fréquent. Pourquoi tenterais-tu de voler la poule quand le propriétaire est là? Ne savais-tu pas que tu devais attendre? Hein? Ce n'est pas comme ça qu'on règle une affaire, mec. Mon prince, la poule n'est pas facile à attraper. Et les poules ne sont pas finies. Je peux aller ailleurs et trouver une autre pour toi. Oh. Hein? Je peux aller ailleurs trouver une autre pour toi. Tu sais que t'es mon ami. Mais si on m'arrête maintenant que Otito, le voleur, est arrêté et on m'amène devant le trône de ton père, tu vas me régner. Et maintenant, pourquoi tu m'as fait venir si tu savais que tu étais incapable? Mon prince, calme-toi. T'es mon prince, mon prince. T'es mon partenaire du crime, hein? Écoute, les poules ne s'enfuient pas, hein? Les poules ne s'enfuient pas, je peux trouver une autre à n'importe quel moment. Mais t'as du poulet au palais, non? Allons au palais et regardons-nous. Non. Le poulet du palais n'est pas plus bon que celui qui a été volé, ne sais-tu pas? Ça veut dire qu'ils sont braisés? Non, ceux qui ont été volés sont meilleurs que les poulets du palais. C'est ce que je dis, celui qui est braisé est différent de celui qui est frit. Ne t'en fais pas, allons au palais. Je vais te chercher. Mon partenaire de crime. Tu voles, je vole. Tu marches, je marche. Tu ouvres. Allons-y. Tu violes, je viole. Oui. Hé. Qu'est-ce que tu venais de faire? C'est une forme de salutation ou d'injure? Ma reine, je ne comprends pas que signifie injure et salutation. Oh, je venais juste de vous saluer. La ferme! Je suis de la royauté. Et quand tu vois la royauté, tu te couches par terre. Tu te couches à plat ventre. En fait, tu balais le sol avec ton ventre et tu salues. Et non ce que tu venais de faire là maintenant. À plat ventre? Yeah, je ne comprends pas comme ça. Bien sûr. Je ne peux pas faire ça. Mon mari fait partie du cabinet. Tu es une idiote. Je me fiche de qui est ton mari. Mais la prochaine fois que tu vas essayer ça, je ne serai peut-être pas de bonne humeur comme aujourd'hui. Alors dégage. Misérable idiote. Partons d'ici. Hein? Que je me couche au sol comme ça? Regardez-la. Quelle est même ce genre de reine? Que lui arrive-t-il? Espèce de sorcière.
une sorcière. Salut, tu peux venir un instant? Je ne suis pas contente. Je sais que tu n'es pas contente. J'ai appris ce qui est arrivé aujourd'hui. Hein? J'ai appris comment le prince vous a fouetté. Mais pourquoi est-ce qu'il vous a fouetté? Tu ne comprendras pas, oh. Ce gars m'a tellement fouetté que j'ai eu l'impression qu'il avait une dent contre moi. Aïe. Oh, désolé. Aïe. C'est ouf, fais-moi voir. Ne me touche pas, ça fait encore mal. Aïe, Seigneur. Ne touche pas. Le fouet est bien entré. Entré où? La façon dont il m'a fouetté, hein. Aïe. Désolé. Hein? Pourquoi a-t-il fait ça? T'en fais pas, quand j'irai au palais, je verrai pourquoi il a fait ça. On parlera de ça. Hein? Aïe! Ça, c'est pas bon, j'aime pas ça. Tu dois le conseiller, oh. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas parce que je l'aime. Ne t'en fais pas. Je vais aller lui parler. S'il fait n'importe quoi, je vais lui montrer que je suis son ami. Pourquoi il se comporte comme ça? Hein? Il devrait savoir que vous êtes des filles. Et il vous fouette aux fesses. Comment est-ce que vous allez vous asseoir maintenant? Ce n'est pas juste, hein? Et il n'a même pas dit désolé. T'en fais pas, je vais m'excuser à sa place, hein? Une belle fille comme toi, pourquoi est-ce qu'il te fouette? Alors, tu vas où? Je vais au marché, la reine m'a demandé de lui acheter quelque chose. C'est ton tour aujourd'hui, pas vrai? T'en fais pas, quand je serai au palais, je vais tout régler, d'accord? Ok. Ne t'en fais pas, je vais aller lui parler, hein? N'oublie pas de lui dire que je l'aime. Je le lui dirai, pourquoi je ne le ferai pas? C'est d'accord, t'en fais pas, tu verras. Ok, hein, au revoir. Tu t'en vas comme ça? Juste comme ça? Sans me donner un câlin? Eh, hey, oh Tito, nous sommes en route. Ça veut dire quoi en route? Est-ce qu'on ne parlait pas de comment je vais t'aider en route? Hein? Nous sommes ici en route, en train de causer comment je vais parler de toi au prince. Et maintenant, embrasse-moi, tu dis. Est-ce que c'est écrit qu'on n'embrasse pas les gens en route? Hein? Donne-moi un câlin juste pour dire merci pour ce que je vais faire pour toi auprès du prince. C'est comme ça qu'on fait. Juste un peu, un petit câlin. Un câlin, c'est un câlin. Hein? Viens là. C'est bon. Câlin de bébé. C'est bon. Ne t'en fais pas, je vais parler de toi au prince. N'oublie pas de lui dire. Je le ferai. Je le ferai. Hein? Bye bye. Bye bye. Hey, belle fille. Donc, tu veux vraiment sortir comme ça? Hein? Il suffit d'un petit vent. Juste un petit vent et ton minou sera dehors. Tout le monde verra ton minou. Enfin, si je me coupe, alors je vais le voir. Papa. C'est quoi ça? Es-tu une prostituée? Qui est-il, Naï? Hein? Oh, Guéni. Pourquoi est-ce que tu cries? Tu cries? Pourquoi est-ce que tu cries sur ma fille? À partir du dehors, je peux entendre ta voix. Oh, Guéni. Voilà. Dieu merci, tu as dit que c'est ta fille. Dieu merci, tu as dit que c'est ta fille. Maman, sois la bienvenue. Merci, ma fille. Regardez-la! Maintenant, regarde ce qu'elle porte! Ne peut-elle pas pour une fois s'habiller de façon décente? Mais regarde! Qu'est-ce qui ne va pas avec ce qu'elle porte? Tout ce que je peux voir, c'est une très belle fille. C'est tout ce que je peux voir. Belle quoi? Fille? Très bien. Je voudrais comment tu sortiras de cette maison. Tu n'iras nulle part! Papa, laisse-moi profiter de ma vie. Non, je ne vais pas accepter ça, Naï. Papa, laisse-moi profiter de ma vie. S'il te plaît, laisse ma fille. Mais je ne vais pas accepter ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous... Laisse ces enfants pour l'amour de Dieu, s'il te plaît. Maman, comment est-ce que tu me trouves? Oui. Tu es très belle, ma fille. Lenu, au moment à ça, oh. Oh, grioli. Oh, le jus de tomate. Merci, maman. Mais regardez celle-là. Viens. Elle est belle. Laisse-les tranquilles, Naï. Viens là, laisse-moi regarder ton minou. Laisse-les sortir. Si vous avez où aller, allez-y. Gâtez. Laisse-les aller chercher leur mari. Oui, allez chercher. Cherchez des hommes riches, des hommes très riches. Cherchez des riches. Ne revenez pas ici avec un homme pauvre. On va te surprendre. Au revoir, mes enfants. Avant que vous ne reveniez, maman. Le repas sera prêt. Pas de soucis, maman. Hey, mes trésors, regardez-les. De très belles filles. Ah! Itiokaka, village Umwezi, à côté de l'église catholique Saint-Augustin. Oui, je connais. Tu connais là-bas? Oui, c'est je connais. Ça. Amène-moi là-bas, c'est là que je vais. Madame, c'est 200. Ah!
Aie peur de Dieu, non? Aie peur de Dieu, mon ami. Ah ah! C'est ici à côté, non? C'est loin. Ce n'est pas loin. Oublie, bon, je connais tout ça. Alors donne 150. Ah non, je vais te donner 100. C'est 100 que j'ai. C'est 100. S'il vous plaît, faites-moi entrer et laissez-moi au carrefour. Cette moto s'est gâtée depuis. Et le soleil m'a déjà tellement frappé, hein? S'il te plaît, ouvre la malle pour que je puisse mettre les bagages. Apporte-les, je vais les mettre moi-même. Ouvre la malle, je vais mettre les sacs à l'intérieur. Ouvre la malle, non? Ouvre la malle. Porte les sacs et viens, non? Qu'est-ce que tu fais? Oya, ouvre la malle. Tu as perdu tes manières ou quoi? Alors tu veux dire que tu veux mettre ton corps misérable et puant dans mon SUV? Tu es folle? C'est quel genre de parole ça, non? N'es-tu pas humaine? Ou tu ne portes pas les gens dans ta voiture? Même dans la Bible, le bon samaritain a porté quelqu'un sur son cheval. Parlons-moi de toi qui es un humain. C'est quelle histoire ça? Ton cas sera différent? Hé, ne me touche pas. Si tu me touches, je vais te frapper. Tu es folle. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Tu vas la fermer? Regardez celle-ci. Oh, je parle, tu parles. Tu oses me parler, n'est-ce pas? Parce que tu es avec cette femme. Je n'ai rien à te dire. Parce que ta tête ne va pas bien. Si tu avais tous tes sens et que tu allais très bien, tu n'allais pas être là comme quelqu'un qui a cité un mari traditionnel dans cet après-midi. Je n'ai pas ton temps. Je peux voir que tu es folle. Pour qui est-ce que tu te prends? Écoute, si tu m'énerves, je vais apporter tes stupides restes au vautour. Tu ne peux pas! Tu ne peux pas! Ne tente même pas! Tu ne peux rien me faire! Je n'ai pas peur de toi! C'est... Ne fais pas ça parce que nous sommes au village ici, hein? Regardez cette idiote! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je te le demande! Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux me battre ou quoi? Si tu l'essaies, je vais te descendre! Parce que je ne suis pas à Lagos, parce que tu es ici au village, tu fais tout ce que tu veux, tu fais du n'importe quoi. Si tu essaies ce genre de truc à Lagos, je vais froisser ton visage. Qui es-tu? Tais-toi! Tu t'adresses à la reine, la femme du roi. La reine, et alors? On ne parle pas une reine? À cause de ses bêtises, ce carton qu'elle a porté, elle mousse, on dirait qu'elle a tout dans ce monde. Je vois que tu es Regarde, folle. Laisse-moi te dire, tu vois cette chose que tu as là, ce carton que tu traînes. C'est ça que les gars utilisent pour faire le taxi avec à Lagos. Je crois que tu es folle, mais j'ai un médicament pour toi. Tu ne peux rien me faire. Tu n'es pas capable de me faire quoi que ce soit, madame. Mais c'est quoi cette bêtise même? Tu joues à la grande dame. Quelle grande dame stupide es-tu? Je ne peux pas aider quelqu'un. S'il te plaît, prends ce carton et va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Tu t'es attiré des ennuis. Tu vois cette femme? Personne ne l'insulte dans ce village et s'en sort facilement. Son fils va venir près de toi. Donc, je parle, tu parles, n'est-ce pas? Quelque chose ne va pas chez toi. As-tu parlé de son fils? Oui. Quel fils? Mais son fils, vous n'êtes pas du tout intelligent dans ce village. On vous trompe, bête comme vous êtes, vous continuez à croire. Qui vous a dit que c'est elle qui l'a accouché? Regarde, laisse-moi te dire, je suis Titi Eko. J'ai atterri dans ce village. Et c'est moi qui vais te dire ce qui se passe, tu ne connais rien. Elle a... Ma mère m'a tout dit, c'est pas son fils. Et tu vois cette bêtise que tu viens de tenter? Pourquoi mets-tu ta bouche sur ce que j'ai dit? Tu veux écoper? Donne-moi mon sac. Avec la stupide moto, comme tu ne peux pas l'arranger. Moi, je m'en vais. Ah, calme-toi, je vais la réparer. Tu es malade. Calme-toi, je vais la réparer. Dieu va te punir. Attends, je vais le Dieu faire. Va te Mais punir. Attends, je vais le faire. Dieu va te punir. Dieu va te punir. Mais reviens, reviens. Tu es malade. Quelqu'un?
Salut. Ah, ma chère, s'il te plaît, je cherche la maison d'Ishiokaka. Qui es-tu? N'impose pas ces questions, non? Ce n'est pas Saint-Augustin là-bas? Ce n'est pas ça? Mais oui, c'est Saint-Augustin. Je suis au bon endroit. Je ne suis pas bête. J'ai une très bonne mémoire. Réponds à ma question. Je cherche mon père. Ton père? Qui est ton père? Hey! Regardez cette petite fille. Pourquoi toutes ces questions, non? Si tu savais d'où je viens, tu ne ferais pas ce genre de truc. Appelle cet homme pour moi, non? S'il te plaît. Ah! C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe, Célestie? Bonjour. Oui, bonjour. C'est vous, Ishiokaka? Oui. Ah! Je l'ai dit! C'est vous, Ishiokaka! Ah! Ce Dieu est grand! Regardez la ressemblance. Regardez votre nez. Regardez le mien. Regarde tes yeux. Ha! Le père de moi. J'ai tout pris sur toi. Ya! Papa de moi. Papa. Ah! Jeune fille, qui es-tu? Je suis ton enfant. Je suis ta fille. Tu ne me connais pas? Ok. Tu connais Yetunde? Yetunde de Abadan. Yetunde? Celle qui vit à Lagos. Oui. À Djengoulé. Oui, je suis sa fille. Je suis son enfant. Oui, je suis ton enfant. Yetunde? Ah! Yetunde, ta mère? C'est ma mère. Hey! Oh, papa! Venez voir! Papa! Venez! Papa! Venez voir! Ça, c'est ma fille! Que signifient toutes ces bêtises? Bonjour. C'est ta grande sœur là-bas? Oh, non. C'est ma femme. Après que ta mère soit passée avec toi, je l'ai épousée. Ok, après ma mère, c'est elle. Oui. Elle est la ménagère. Mon papa! Eh bien, Ibo, tu connais Yetunde, n'est-ce pas? Ma première femme, je t'ai parlé d'elle. Hein? Pourquoi c'est ta fille? C'est moi. Et en quoi est-ce que toutes ces bêtises me concernent? Papa de moi! C'est toi, ma fille! Papa de moi! Ma fille à moi! Ma fille à moi! Papa de moi! Papa de moi! Papa de moi! Papa de moi! Dégage, je veux parler à mon mari. Votre Altesse, j'ai été insultée par une jeune fille et je veux que tu l'emmènes. Je veux la tuer. Elle Calme-toi. Doit mourir. Calme-toi, ma reine. Calme-toi. Qui est cette fille qui a insulté la magnifique reine du royaume d'Amako? Votre Altesse, une imbécile, une folle, un porc primitif. J'aurais aimé pouvoir lui attraper le cou. Lui retirer sa vie misérable par le cou. Calme-toi. Calme-toi. Qui est cette fille? Votre Altesse, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais vue avant. Mais je dois lui faire face et m'occuper d'elle de façon rude. Calme-toi. Je vais chercher cette fille. Ma reine, est-ce que je peux aller faire le repas maintenant? Fous le camp! C'est tout ce que vous connaissez. N'importe quoi. Ma reine! Ne faites pas ça. Pourquoi transfères-tu ta colère sur la pauvre servante? Votre Altesse, je suis désolée. Je suis désolée. Ah, où est cette fille, non? Ah. Aller chez mon père ou alors dans le sanctuaire d'un marabout. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas de manière? C'est comme ça que tu te comportes quand tu vas chez les gens? Aurinka! J'ai prévenu cette fille de ne plus venir avec des filles stupides dans cette maison. C'est quoi ça? Aurinka! Ah, tu vas bien? Est-ce que tu es normale? Es-tu folle? C'est même quoi toute cette bêtise? Excuse-moi! Tu sais à qui tu parles? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Excuse-moi, dans la maison de mon père? La ferme! Je parle ou tu parles, tu es malade?
Regarde-toi. Tu n'as pas honte? Regarde ce que tu as porté pour sortir avec. Regarde, je vois même ton caleçon. Tes égaux portaient les caleçons blancs, toi tu portais la couleur noire. Tu n'as pas honte. Ah ah. Prostituée. Hey. Oui, c'est ce que tu es. Maman, s'il te plaît, qui est cette folle? Elle est ta demi-sœur. Ma demi-quoi? Comment? Elle est la fille de Yetunde, la femme Yoruba que ton père a épousée avant moi. Elle n'est pas folle, elle va bien. Non, 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 non. Je ne suis pas prête à partager cette maison avec cette folle. Je ne suis pas prête du tout. Qu'est-ce que tu de folle? Si je te gifle, hein, ta tête va se retourner à 300 degrés sur ton cou. Tu es folle? Regardez-moi cette folle. Où est la nourriture? Maman, de quelle nourriture est-ce qu'elle parle? Je ne suis pas prête à partager la nourriture avec cette personne dans cette maison. Papa, en fait, papa doit acheter un sac de riz aujourd'hui. Je ne veux pas partager de nourriture avec elle dans cette Regarde maison. Regarde-toi, je croyais que tu étais une grande fille. Tu n'as pas honte. Comme tu es là, tu es juste paresseuse. Viens les gosses. Viens les gosses voir des filles qui se débrouillent à chercher leur argent. Elles font la conduite. Elles font des jobs pour gagner de l'argent. Tu es ici, à porter des caleçons. Porter le sac et marcher en route. Qui t'a arrêté? Qui t'a donné l'argent? Ne me tente pas où. Belle fille. Maman, ce n'est pas la nourriture là-bas. Merci. Merci. Laisse-la. S'il te plaît, assieds-toi. C'est très délicieux. Je sais, j'ai juste vu la couleur. Ton père. Hey, que Dieu te bénisse. Mère. Fiston. Il n'y a rien à manger? J'ai faim. Pas encore, Fiston, mais le repas sera bientôt servi. Fiston, c'est une bonne chose que tu fais ici maintenant. Nous devons parler. S'il te plaît. Parler de quoi? Il y a un homme qui est venu ici. Il a dit que tu as mis sa fille dans un état familial. Moi? Est-ce que la personne est folle? N'importe quoi. Qui diable est cette personne? Mon fils, ne prête pas attention à ton père. Ne prête pas attention à lui. Je venais juste de lui dire qu'une fille m'a insulté. Et il ne veut rien faire par rapport à ça. Et tout à coup, il parle de ça. Oh, je t'en prie. Ah, vraiment? Est-ce que tu es en train de dire que ce que je venais de dire là n'est pas important? Bien sûr que ce n'est vraiment pas important. Assieds-toi et parlons. Assis. Père, détends-toi, ok? Ce n'est vraiment pas... Assieds-toi. Et ferme-la pour une fois. Ok, que la réunion commence donc. Otito? Maman? Qu'est-ce que tu portes? Maman, c'est la viande. Viande? Où as-tu pris la viande? Maman? C'est quelle question, ça? Où est-ce qu'on obtient la viande, si ce n'est pas au marché? Otito, j'espère que tu n'es plus allé voler haut. Hein? Oui, j'espère que tu n'es plus allé voler haut. Maman, tu me traites de voleur? Tu traites ton fils unique de voleur? Donc, Otito ne peut pas aller au marché et dire « Mon ami coupe de la viande pour moi, pour que j'aille manger à la maison attends, et fêter... » Attends, laisse-moi te demander. Qu'est-ce que tu célèbres qui va te pousser à aller au marché acheter la viande? Aïe, Seigneur Jésus, ça veut dire quoi, Otito, ça? Otito. Akamadok yo, nikana bum na jokoe. Maman, s'il te plaît. Iki figurujunu. Maman, je t'en prie. Erekutunubunu. Tu m'insultes là. Y a pas de problème, je verrai comment tu vas manger ça. Je vais préparer cette viande, tu ne vas pas la manger, maman. Regardez un peu, ma propre mère, hein? Je ne peux pas aller au marché et avoir de la viande, dire à un ami, coupe-moi de la viande pour que j'aille manger. Si tu touches cette viande, c'est que c'est pas moi. Mon prince, voilà votre eau. Dépose ça là-bas. S'il vous plaît, mon prince. Où est-ce que tu vas? S'il vous plaît, arrêtez, quelqu'un pourrait nous voir. Non, arrête, personne ne va nous voir. Mais mon prince... Hé, arrête, regarde. Laisse-moi te transférer un peu de royauté en toi. Mon prince... Allez, tu n'as pas besoin d'avoir peur, ok? Allez, arrête. Mon prince... Arrête. Thank you.
Otito. Sois la bienvenue. HG, HG. HG, ma puce. Je suis là. La seule fille sexy dans ce village. Tu peux le redire. Angélique. Oui. Otito. Qu'est-ce qui t'amène ici? Est-ce que tu es venue me voir ou alors tu as perdu ta route? Mais je suis venue te voir. Ah. Mmh? Je suis venue te voir. Prends place, oui. Prends place. Est-ce que c'est du bouillon? Ah, non, ce n'est pas du bouillon. C'est la Sainte Communion. Juste pour les saints. Il n'y a que les saints qui peuvent en manger. Otito. Otito, j'espère que ta mère n'est pas là. Il n'y a personne là, juste moi. Bien. Je peux me joindre à toi? Pourquoi pas? Ok, attends, je t'apporte une cuillère. D'accord. Tu ne touches pas? Non, tu pas ne pas touches du pas. Tout. Sans le juste. Ah ah, il se régale, oh. J'espère que t'as pas touché. Non, je n'ai pas touché. Alors, t'as dit que t'es venue me voir? Oui. J'espère que tout va bien. Tout va bien. J'espère que ta mère n'est pas là. Personne à la maison, il n'y a que moi là. Bien. Otito, j'aimerais que tu me branches avec le prince. Ah. Oui. Je veux lui montrer de quoi je suis faite. Tu le sais bien. Il doit goûter cette chose. Fille vaillante. Tu fille me connais. Vaillante. C'est moi. T'es trop forte. T'es trop forte. Je comprends. Mm. C'est très simple. Ok. Le prince, c'est moi. Je suis le prince. Donc, ce que tu dois faire, c'est que, tu sais, ce petit truc, tu dois d'abord me goûter. Je m'assure que c'est bon et tout va bien. Pas de problème. Je suis prête. Mm. On peut même aller le faire rapidement. T'es sérieuse? Oui. Allons-y. Je suis prête. Mais tu sais, il y a un truc. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Tu vas me présenter au prince. Allons-y. Pas de souci, je vais le faire. Ah. Ça, ce n'est pas un souci. Ça suffit. Tu as déjà ces manger. Tu veux manger cette viande? Oui. C'est pas bon ce que tu fais, hein? Otito. Ok, c'est bon, tu peux l'avoir. Honnêtement, je ne comprends pas ce qui se passe dans ce palais. On a dormi dans cette chambre à quatre. Mais ce matin, quand je me suis réveillée, nous n'étions que trois. Où est passé ton ami? Hein? C'est quoi cette stupide question? C'est quoi cette question idiote? Peut-être qu'elle a dormi dans la chambre de la reine. Et qui sait? La chambre de la reine, mon œil. Je sais tout ce qui se passe dans ce palais. Mais un jour, tout sera exposé. Tu sais tout ce qui se passe dans ce palais. Et tu es encore là à me poser des questions idiotes. Alors tu veux que ça sorte de ma bouche, ok? Mais tu vois les déesses de ton village qui t'ont envoyé à moi? Va leur dire que tu ne m'as pas vue. N'importe quoi, on y a churé. Regarde-moi ça. Regardez-la. Prétentieuse, je connais ton genre. Papa, comme tu me vois là, je n'ai peur de personne. Oh. Je n'ai pas du tout peur de quelqu'un. Va là où j'habite à Lagos et demande qui je suis. Titi Eko, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je ne vois pas le visage de quelqu'un. Je te fais confiance. Je te fais confiance, ma fille. Ma fierté maintenant, c'est que tu es à la maison. Oui. Tu es à la maison avec moi. Je suis en là. En fait, je suis comblé maintenant. Je suis de retour. Oui. Et comme je suis rentrée, personne ne va te défier dans ce village. Oh. Qu'il ne me tente pas. Qu'il ne me tente pas. Ne t'en fais pas. Personne ne te tentera dans ce village. C'est mieux. Personne ne te tentera. C'est mieux. Je veux m'arranger à ce que tu aies quelque chose qui te rapporte de l'argent. Tu auras quelque chose qui te donnera de l'argent. Papa, tu sais que je suis une battante. Oui. Je suis une battante. Je veux commencer à faire la coiffure ou même la chasse. Ah oui? Hein? Pas de souci. Tant que ça rapporte de l'argent. Hein? Tu sais, mon vieux fusil est encore là. Je vais le nettoyer. Si tu veux, je te le donnerai. Pas. Du moins, tu n'as pas de l'argent. Je vais te rendre heureux. Je ferai que tu sois fier de moi et en soir que tu es un enfant. Je sais comment faire. Hey! Lève-toi que je te regarde. Ah. Lève-toi. Papa, moi. Papa de moi. Oh mon Dieu. Papa de moi. Oh. Tu as dépassé ta mère. C'est ça. Tu as dépassé c'est ta mère. C'est ma mère qui m'a accouché. C'est ma mère qui m'a accouché. Papa. Salutations, Votre Altesse. Vous m'avez fait appeler.
Oui. Est-ce que c'était toi qui es sorti avec la reine plus tôt aujourd'hui? Oui, votre majesté. Bien. Alors, qui était cette fille qui l'a énervée en chemin? Votre Altesse, je ne connais pas cette fille. En fait, je ne pense même pas qu'elle soit de ce village. Sinon, elle n'aurait pas insulté la reine comme elle l'a fait. Quoi? Oui, votre Altesse. Je crois que c'est une fille Yoruba venant de Lagos. Une fille Yoruba? Et tu ne sais pas qui elle est? Je ne sais pas, votre Altesse. C'est bon, tu peux partir. Je vais la chercher moi-même. Merci, votre Altesse. Une fille Yoruba de Lagos? Qui pourrait-elle bien être? Je vais le découvrir. Comment tu peux croire à tout ce qu'on te raconte sur moi? Je ne suis pas mauvais. Otito, je te connais très bien. Je suis fatiguée d'entendre toutes ces mauvaises choses sur toi. Chaque jour, Otito a fait ci, Otito a fait ça. Je suis fatiguée, Otito. Eh bien, tu me connais très bien. Tu ne dois pas croire. Ah. Peu importe ce qu'on te dit. Tu ne dois pas croire à ce que les gens racontent sur moi. La seule personne que tu peux croire à tout ce qu'on dit sur lui, c'est le prince. Moi, je te le dis. C'est lui qui fait toutes les bêtises qu'on dit dans ce village. C'est pour ça qu'il faut que tu commences à coordonner tes mouvements. Amalek Heri Danda, non, je n'aime pas ça. Planifie tes mouvements, organise-toi. Ce village est très petit, à chaque fois, Otito. Tu n'es pas fatigué de ça? Ah, je n'aime pas ça, tu es ma personne, Iguana Anon, et toutes ces choses, je n'aime pas les entendre. Ada. Écoute, je ne savais pas que tu m'aimais comme ça. Hein? Tiens, je ne savais pas que tu m'aimais de cette façon. Otito, oublie l'amour. Oublie d'abord l'amour. Iguana Anon, tu es ma personne. Je t'apprécie, tu es mon ami. C'est pourquoi je te dis toutes ces choses. C'est ce qu'un ami ferait, tu sais. C'est pour ça que je te dis tout ça. Je n'aime pas ce que j'entends. Oublie d'abord l'amour. Je te remercie. Merci. Aïe. Mais, Otito, je veux juste que tu viennes en ville, hein? Ta vie pourrait s'améliorer là-bas. Et la chance pourrait te sourire, qui sait. Tu comprends? Ce village ne te convient pas. Chaque jour, Otito. Je n'aime pas ça. Mon problème, c'est où est-ce que je vais habiter si je vais en ville? Otito. Voilà mon problème. Je ne peux pas dormir sous un pont. Aurais-tu oublié que je vis en ville? Otito, j'ai une maison en ville. Une fois que tu es prêt à venir en ville, fais-moi savoir. Je vais prendre soin de toi. Je suis prête à faire ça. Hein? Et hop, no wengame. Oué boulot, is bomb, you know. Quel est boulot moide? Je peux le faire. Je vais m'occuper de toi. Tu vas venir vivre avec moi en ville. Tu as compris? Ah, toutes ces histoires du village commencent à me fatiguer. Ada, donc tu m'aimes à ce point, tu veux prendre soin de moi? Tu es mon ami, non? Moi, non, Kebo. Dieu. Mon Dieu, est-ce que tu as vu ça? Quelqu'un se soucie de moi. Aïe, mon Dieu, je suis marié. Pardon. Vous voyez le mariage? Je vais le planifier. Une fois que j'arrive en ville, je vais t'épouser. Ouvre plutôt ta boisson et buvons. Il y aura la guerre dans cette famille. Ayaku Kweche. Comment ça? Guerre? Elle devrait être contente que leur sœur perdue de vie depuis longtemps soit de retour. Oui, c'est ce que tu crois? Tu connais Dioma et son mode de vie? Elle est une folle. Je ne pense pas qu'ils vont bien vivre. Ça ne marchera pas. Alors, si c'est le cas, il y aura sûrement la guerre. Tu vois ce que je t'ai dit? Elle a même dit qu'elle s'appelle Titi. Elle a même insulté la reine. Quoi? Tu vois, hein? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Hein? Grande sœur. Akachi. Oudji. Hey. Toujours en train de parler à chaque fois. Bienvenue, grande sœur. Grande sœur, merci. Tu m'as dit que tu n'es pas au courant. Au courant de grande quoi? Grande sœur, tu te souviens de la sœur d'Idioma perdue de vue depuis longtemps? Celle qui vient de Lagos. La sœur d'Idioma qui s'était perdue, oui, il y a longtemps. Mazi Okaka, tu le connais? Mazi Okaka, oui, je le connais. Sa fille qui s'est perdue il y a longtemps de sa femme Yoruba. Elle est de retour. Hein? Grande sœur, à ce moment que je te parle, il y aura la guerre dans cette famille bientôt. Agakwete. Guerre? Oui. Ah, ah. C'est leur problème. Mais je fais confiance à Idioma. Elle va s'assurer qu'il soit consumé. Mais oui. Cette fille est une folle. Elle a même insulté la reine. Hein? Oui. La reine? Oui.
De toutes les façons, ce ne sont pas nos affaires. Ce sont leurs problèmes de famille qui les gèrent. Qu'est-ce que tu as cuisiné, s'il te plaît, chef? Grande sœur, tu ne nous as rien gardé. Vous gardez quoi? Vous êtes toujours en train de vous comporter comme des enfants. Torincho. Bienvenue, grande sœur. Mais merci. Cette femme, restez là-bas. Je ne connais pas du tout cette fille. Et je n'ai rien à faire avec n'importe quelle fille dans ce village. Tu vois, je le savais. Je savais que ces gens voulaient faire du chantage à mon fils. Je suis allée les chercher chez eux hier. Mais je ne les ai pas trouvés là-bas. Je n'ai même pas trouvé leur maison. Marraine, arrête ce que tu fais. Arrête ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne veux aucun scandale dans cette famille royale. Je veux dire, on devrait juste laisser la fille donner naissance à l'enfant. Nous pouvons prendre soin de l'enfant et ensuite payer la fille. C'est quoi tout ça? Eh bien, ça c'est ton problème. Tu veux la fermer? Espèce d'insolent. Ne m'efforce pas à te faire épouser cette fille. Votre Altesse, comment peux-tu faire que ton fils épouse une femme qu'il ne connaît même pas? Parce qu'il le mérite. Non. Écoute, père. Dis-nous juste que tu veux prendre une deuxième femme. Quand ça, on pourra te considérer. Et ça, je ne le permettrai pas. Tu vas devoir me passer sur le corps. Ça n'arrivera pas. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours un corps sexy. Tu le sais. Ça n'arrivera pas.